Après une bonne petite grasse mat, on se réveille tranquillement et on profite du petit thé offert par le service. Et bienvenue dans cette nouvelle journée en direct de la Chine. Quoi les gars, qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, les vraies toilettes. Les vraies toilettes, c'est des pots de fleurs. Et au guest house, on a des chiottes turques. Ouais, écoute, qu'est-ce que je te dis? Et les gars, il y a des rues là. Alors, regardez notre hôtel quand même, c'est stylé quand même. Vous avez vu? C'est beau. C'est super beau là, gros. Ouais, là, mais tu vois l'eau. Mais regarde pas l'eau. Tu fais pas attention à l'eau, juste tu regardes les maisons. Non, c'est super beau. Ça fait stylé avec le truc au milieu là. Ouais, ça fait trop typique, laisse tomber. Regarde les rues animé de cette ville, petit marché, de la bouffe de partout. Pork beef, yeah, beef noodle. Mola. Four. Attends, je peux finir. Four. And one, bola, 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 bola. Non, deux bola, moitié. Deux bola. Oh, you want black? Two bola. Oh, c'est bon, je suis le. Three normal. Voilà. Ah ouais, c'est rouge, c'est rouge, rouge sang. C'est rouge, quoi. La version pas épicée et la version piquante. Oh là là. On aurait peut-être dû prendre pas épicée. Oh. Bah ouais, carrément, ils sont bas. Voilà. Mmh. C'est pas trop piquant en fait. Non, pas du tout. Mmh. C'est épicé, mais c'est pas trop piquant. Mmh. Ils sont très bonnes ces noodles. Et bon appétit pour ce premier repas. Les noodles, un délice, mais par contre, quand tu manges ça, fais voir. C'est bon, il s'en est mis partout. Encore le mec qui fait les. Le nougat là, le machin aux noisettes. Allez Rémi, allez Rémi. Elle est plus fort. Ah, la rue elle est superbe là les gars. Elle est stylée. Avec toutes les plantes et tout, regarde là. Les petites lanternes. C'est quoi ça? C'est un resto? Ah ouais, c'est un resto. Ça c'est trop beau. Ces petites rues totalement typiques avec tous ces shops. Ça me rappelle exactement, mais c'est assez proche, la sensation, le feeling, l'atmosphère de la ville Doi An au Vietnam. Vous vous rappelez la ville Doi An, c'était une ville où il y avait plein de lampions, des murs jaunes et tout, ville très touristique. Et voilà, c'est pareil. Et du coup, je suis étonné puisque là, on est le premier jour des vacances des Chinois, premier jour de la fameuse semaine, la Golden Week. Et là, on regarde la rue. Il n'y a pas trop de monde. Franchement, il doit y en avoir où il y a plus de monde, mais là, ça va. Ah, c'est ça, le fameux truc qui pue, là. Il y a la même chose à Taïwan, c'est du tofu fermenté. Et ça sent très très fort, ça sent vraiment pas bon. Ah, c'est chouette, là. On sait pas du tout où on va, juste on suit le flot des gens. Et voilà, on sait pas où on va tomber, on se balade. Hello. Salut. Pourquoi on a l'impression qu'ils s'engueulent à chaque fois? Ah, faut payer pour faire des photos. Faut payer pour les photos. Ah, ok. Écoute, je sais pas, ça doit être une ethnie locale ou un truc. On en croise plusieurs comme ça. On est passé hier ici, voilà. Alors, on traverse le pont, on va aller de l'autre côté de la rivière. Oh, regarde le décor qu'on va avoir. C'est trop beau. Sérieux? Ah ouais? C'est des cornets fait maison, elle fait ses cornets elle-même, elle est moule dans le truc là. C'est là? Elle est bonne hein. Alors la glace chinoise les gars? Ça va. Waouh. Wow. C'est trop beau. Alors la mission d'aujourd'hui, ça va être de faire les plus belles cartes popo possibles pour Instagram là. Oh, avec le pont, regarde la gueule du pont. Ça c'est marrant, le câblage électrique au milieu des bâtiments semi-traditionnels là. Là on a un contraste. Petit artiste de rue là, ils se font leur petite peinture, ils peignent le pont. Là on est dans un cadre. Tu vois, ça continue, c'est grand. Hein. Et là le bord de la rivière, et si vous voulez les gars, on peut se caler ici, se prendre un bon petit café chocolat chaud ou quoi. Cappuccino. Un cappuccino, un latte. Smoothie c'est caramel. Smoothie caramel. Attention, c'est la Golden Week, il y a des Chinois de partout. Ça va être le bordel. Oh, on est bien, arrêtez. Ouais. Très très mignon. La rivière elle est coupée par plein de jolis ponts comme ça. Et regarde un petit peu. Tout le bord de rivière en face là. Jusqu'à la tête à Davy.
Le mec s'est mis au milieu du pont et il se met au calme, il pêche cet après-midi, voilà. Elle lave le poulet dans la rivière. Quoi il y a le téléphone, c'est génial. Nirao. Elle récupère le cœur. Ah. Ça a l'air bon. Ah, on peut manger. Je crois qu'il faudra pas manger n'importe où dans cette ville. Il y a un haut-parleur ou... Il a une enceinte. Bah oui, une enceinte. Ça fait un trop beau son. Il y a une enceinte là dans ça. Ah oui, il y a un petit, il y a un micro, il y a un micro. Je me disais, ça fait un son de ouf son truc. Alors je sais pas c'est quoi la spécialité. Oh putain, il y a des serpents les gars. Il y a des poules, serpents. Ah les gars, il y a aussi une tortue là. Ouais, des tortues ici. Oh pauvre. Ça mord. Oh, ça mord. Bien joué. Je sais pas ça. Non, il le relâche pas gros. Il se les garde. Bah, il va la manger. Hein. Non. Il y a un chat. Ouais, il y a un chat en cage. Il y a un chat gros. Il y a un chat, des canards, ils vont bouffer le chat. Une sorte de rongeur, mais je sais pas ce que c'est. C'est. Peut-être des ragondins, je sais pas si vous savez c'est quoi. Bah voilà, on a trouvé le point touristique. Le point où ils sont tous regroupés. Ah, c'est ça qu'elle nous disait la nana, le pont le plus connu ou je sais pas quoi, c'est lui ? Ouais, c'est pour ça. Ah ouais, c'est quand même plus grand, carrément plus grand que ce qu'on pensait. Regarde là, toute la partie de ce côté, et de ce côté c'est aussi grand. Mais là je rejoins les gars sur un truc là. Là on est en manque de glucides ou de quelque chose là, faut... Non, hypo. Non, en hypo là. Ah non, en hypo là, là faut manger là. Là on part explorer les petites rues. Ils s'engueulent encore, non? Je sais pas, bon. Et on cherche juste des raviolis, on veut manger des raviolis comme on avait fait avec Xian, c'est pas compliqué? Donc je peux attendre. Que... Bah voilà, on a trouvé des raviolis, les gars. Bon, c'est pas compliqué quand même là. Dans une rue de la bas de cave là, on sait, y a personne. Avec toutes ces toitures traditionnelles, on retourne sur la rivière là, pour avoir une vue d'ensemble. Du pont aussi, et de toute la rivière, tout ce qu'il y a autour. C'est une tête de cochon séché, Matza. Alors on a choisi de s'enfoncer dans les petites rues, on se dit qu'on se trouvera peut-être plus de choses. Et les gars, je le sens bien là. Là. Bon, c'était peut-être pas la meilleure rue pour trouver un resto. Mais regarde, du coup on se perd un petit peu et c'est super charmant. Une grande place avec un phénix. Ah, un phénix. Phénix qui est un symbole. Qui est le symbole de cette ville. Et donc les Chinois l'appellent la ville phénix et pas Fengyuang. Ou alors Fengyuang ça veut dire phénix. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que c'est que ce jeu? Comment ils gèrent le drone? Hé, hey, Vinod! D'ailleurs ton drone, il est où? Putain, comment il a joué? On essaie de voir, on va sûrement trouver un truc sympa là. Regarde, là c'est... Une bonne rue qui pue la pisse. Ouais, mais c'est joli. Regarde là. On regarde le menu. S'il y a des images, on voit ce qu'il y a. Ça peut être pas mal. J'ai le téléphone de la nana. En fait, elles ont leur menu avec les photos sur internet. Donc on peut choisir. Donc là, il y a vraiment plein de choses. Donc c'est bien. On va se faire une petite table. Une table ronde. Fais voir le thé. Non. Attends, mais je vais t'en servir. Non, non, mais ça va. Moi, si vous goûtez, tu me dis qu'il est pas bon. C'est l'eau de la rivière chaude. Alors pour moi c'est du l'œuf au porc avec des cacahuètes, piquant, toi c'est pas piquant, lui c'est leur bœuf qu'on a déjà pris dans le resto d'avant, pas piquant, ça c'est à pas piquant aussi, il va en avoir un autre piquant qui arrive, regarde, regarde, regardez. C'est pas top. Le verre c'est un verre du lac, il est... Ça le coup du lac, t'es con. Alors oh, Bob. La Bob. Tiens Bob. Ça manque d'épices. Ah bah ils sont là les épices, tiens. Putain c'est fort. Ah ouais non. T'as pas fort gros, c'est fort hein. Ah ouais c'est... Là j'aime pas mon téléphone. Quand même. C'est que de la coriandre. Pour ceux qui connaissent pas la coriandre, c'est un truc, ça donne beaucoup de goût. C'est une espèce de feuille là, de plante. Ouais. Il y en a beaucoup dans la cuisine vietnamienne. Et ça en général c'est ou alors on aime ou on aime pas du tout. Un petit peu ça passe, mais là, c'est trop fort. Ouais, il y en a trop là. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que normalement dans ce resto ils font pas de raviolis, mais on a dit ce que vous en avez, elle a dit oh je peux me débrouiller en avoir. Et elle est allée chercher des raviolis, on sait pas où. Allez les gars. Ouais, ils sont bons. Ils sont bons ? Ouais.
Moi j'ai bien mangé, je me suis régalé. Et vous les gars? Pas mal, c'est bon. Ouais, ça va. Je vais faire rien dire. Alors je pense que la spécialité du coin, c'est les animaux, la viande séchée ou quoi, puisque tous les restos, enfin énormément dans cette rue là, ils ont les animaux en cage, les poissons, les poules. Ils ont ces trucs, je sais pas, c'est des larves de quoi. Attention, regarde pas si t'es sensible. Mais... Ouais, regarde, il y en a une qui est en train de sortir, t'es mort. Elle est en train de naître. C'est un énorme frelon. C'est les frelons d'Asie, regarde. Elle sort, elle sort. Petite balade nocturne, accompagnez-nous quelques secondes sans qu'on parle dans les rues de la ville. Un petit creux pour finir la journée. Toujours beaucoup de surprises avec la Chine, tu vois. Aujourd'hui on était arrivé dans une nouvelle ville, une sorte de petit village et tout, on pensait justement aujourd'hui profiter de un peu entre guillemets un jour de repos pour explorer la ville tranquillement, goûter à toutes les saveurs locales, les street food, voilà, se faire plaisir comme ça, juste une petite journée entre guillemets détente au milieu de ce vlog, tu vois, de cette saison. Et en fait, ça s'est pas passé comme d'habitude, ça s'est pas passé comme prévu. Ça a été très compliqué de trouver quelque chose qui nous convenait pour manger durant toute la journée. Pourtant, on a zoné dans toutes les rues toute la journée. Et je peux te dire qu'on a galéré à trouver un restaurant où on s'est dit « Ah putain, là, ça va être bon, ah, ça va être... » C'était tout des trucs chelous, un peu chelous comme t'as vu, puisqu'on n'était pas parti pour manger des larves de frelons asiatiques ou de la tortue ou même du chat. Et pas non plus un poulet lavé dans la rivière. Assez surprenant de voir tout ça et de voir le nombre de restaurants qui proposent ça. À part ça, la ville et les rues sont vraiment très jolies, pleines de couleurs, de lumière, les vieilles briques, les petites rivières, machin, les trucs sur pilotis et tout. C'était vraiment un régal pour les yeux, mais pas pour les papilles. Ouais, non, pour le coup, pour les yeux, mais pas pour les papilles. Écoute, dans tous les cas, demain, on prend un avion pour aller complètement à l'est du pays, près de Taïwan. On va dans une ville balnéaire qui s'appelle Xiamen. Donc demain, on prend l'avion, normalement, un petit coucou dans un petit aéroport non loin d'ici. Demain, avion, nouvelle ville, ville balnéaire. Normalement, ça devrait être un décor totalement différent. Donc, par contre, j'ai pas eu des nouvelles de l'hôtel de celui-là. Lui, j'essaie de les contacter, ils m'ont pas répondu. Donc, je sais pas. Peut-être qu'on va finir par dormir dehors cette saison jusqu'à maintenant. Ça s'est pas trop mal bien passé. En tout cas, un gros merci aux tipeurs qui soutiennent cette aventure. Donc aujourd'hui, je dédicace cette vidéo à Béchir Maloul, Benitora, Julien Roux, Fabrice, Taab, Karokne et Najat. Merci pour votre soutien. Je vous retrouve tous dès demain pour la suite des aventures. Et quelle aventure! Et dès demain! Et je vous dis hasta la vista! J'ai pas trop crié parce que là, tous les gens dorment dans le dortoir, dans les capsules. Du coup, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu ailles voir sur Instagram, parce que là, je vais sortir des photos. Ah, aujourd'hui, il y a eu de la carte popo, et puis il y en a eu d'autres les autres jours. Bref, j'ai encore pas mal de photos à sortir sur Instagram, donc faut y aller là. C'est go sur Instagram.